Oh hey, salut à toutes et à tous, Cydia, on se retrouve pour une nouvelle aventure, celle de Portal 2, jeu ô combien connu de la ô combien connue également entreprise Valve, notamment à l'origine de Portal 1 bien sûr, de Left 4 Dead, de Team Fortress, de Half-Life, et puis dans un mode plus large de Steam, donc des petits gens qui font des petits jeux. Pour nous on va s'intéresser à la campagne solo de Portal 2 et sans trop en dire, voyez par vous-même le curseur. Qui dit jeu coopératif dit qu'il y a des chances que cela arrive également par la suite, ma foi. Petit temps de chargement. Demoiselle GLaDOS. Oui, GLaDOS qui est une intelligence artificielle qui nous a gentiment guidés dans une première partie du premier portal avant de vouloir nous tuer, tout simplement. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. Okay. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Mettez-moi leurs ordres, t'sais. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. Alors, il y a un tableau. Ah. Ah, what? C'est quoi ces touches? Ah, QWERTY. Please go stand in front of it. Attends, QWERTY. Je suis pas mis en QWERTY là. Je crois que si. Oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. Option. Modifier touche. J'aurais mieux fait de regarder ça. Alors, avancer. Utiliser quoi? Changer. Ensuite, changer. Non, ça s'est reculé, mince. Zut, j'aurais dû regarder ça. J'ai pas vu ceci, donc courir, s'accroupir, c'est bon, on va regarder rapidement. Portail, blabla. Utiliser objet, ça me va très bien. Activer zoom si tu veux. Ouais, ça c'est de la coop, du divers, pas très intéressant tout ça. Et reprendre. Voilà. Ah, pardon pour le petit, petit interlude. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. Je contemple. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Voilà. C'est génial. Now, please return to your bed. Ouais, c'est fait. Oh! Good morning. You have been in suspension for 9999. Oula! 9999. Hello? Anyone in there? Whitley. Hello? Are you gonna open the door? Ha! Ah! Oh, whoa! Whoa, whoa, whoa. Good. Looking good, actually. Are you okay? Are you... Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay calm. Génial. It's all fine. All right. Don't move. I'm going to get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. M'accrocher à quoi? Oh là, oh là, oh là. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? You all right down there? Ouais, tout va bien, ouais, c'est... Tout va bien. Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now, you've been under for quite a lot longer,
And it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But anyway, say apple. Apple. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. Okay, je vais chacun qui ne peut que sauter. Please prepare for reactor core meltdown. Je suis pas sûr de... Whoa. Okay, look, I wasn't gonna mention this to you, but I'm in pretty hot water here. Mm-hmm. How you doing down there? You still holding on? Oui, mais bon, là c'est... The reserve power ran out, so of course the whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects. Mm-hmm. Ah bien, hold on, ouf. This is a bit tricky. And of course, nobody tells me anything. No, why should you tell me anything? Why should I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Why? It's close. Can you see? Am I going to make it through? Have I got enough space? Just got to get through here. I just got to concentrate. And whose fault do you think it's going to be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables? Alright, see, now I hear that one. Oula. Ok, après le... En gros, okay, le premier portal. Ah, je vais peut-être pas expliquer tout de suite. If anyone asks, and no one's gonna ask, don't worry, but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone was pretty much alive. Alright, not dead. Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing trains. Oui, enfin c'est un mur là. There's a piece of equipment in there that we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready. Quand ça me préparait, me prépare à quoi? C'est un mur. Bon sens, good c'est news. Un mur. That is not a docking station. So there's one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. Almost there. Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes, but don't worry, you'll figure it out. Seriously, do hold on this time. Whoa. There we go. Now, I'll be honest, you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet. But at least you're a good jumper. So you got that jumping on the side. Just do your best, and I'll meet you up ahead. Okay. The à tout hein, c'est un plaisir. Off you go. Ouais, c'est bon, j'y vais. Ah non, c'est par là. Ok. That's the spirit. Yeah. Oula, c'est bien en ruine. Donc oui, on est dans les laboratoires d'Aperture Science. Jointure reprise. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center. Voilà. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open, and emergency testing will begin in 3, 2, 1. Wouh! Oula! Hey, c'est moi! donc, je crois que c'est ici, quoi. C'est dans un truc de ce genre-là qu'on a commencé le premier, d'ailleurs. Enfin, bref. Du coup, bon, on est dans Aperture Science qui, comme vous l'avez compris, fait des expériences. Oh! À faux. Donc, on a été guidé par une intelligence artificielle pendant des tests. Comme ceux qu'on nous a expliqués juste avant. Avec notamment les portails que vous pouvez voir là, mais on va les utiliser dans tout le jeu, donc c'est pas la peine que je vous les explique. Cube and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency. If cube and button-based testing cause this emergency, don't worry. The odds of this happening twice are very slim. Et cette même intelligence artificielle, donc GLaDOS, qui nous a guidés pendant une partie de l'aventure, ensuite essayer de nous tuer de la même manière
qu'elle a atomisé pas mal de savants. This aperture science material emancipation grid will vaporize any unauthorized equipment that passes through. Donc dès qu'on porte un truc, c'est désintégré par par ces portails là, enfin ces espèces de barrières électromagnétiques là où je sais pas trop quoi. Et on passe au test suivant. Ça c'était pour la première partie, ça se passait exactement comme ça aussi. Jusqu'à la deuxième, donc comme dit, on a affronté GLaDOS et on est sorti du circuit préfet des tests et de ce genre de choses. On a atomisé GLaDOS. If you feel liquid running down your neck, relax, lie on your back, and apply immediate pressure to your temples. You are simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation grill may have emancipated the ear tubes. Oui, simplement. Inside your head. Aucun problème. Et apparemment, le fait qu'on ait... Enfin, tout était déjà un peu laissé à l'abandon, mais était très clean dans le premier. Enfin, plus ou moins clean, hein, parce qu'on avait le clean... Tout était très propre en surface, mais dès qu'on arrivait dans les coulisses, dans ce qui se passait un peu à l'arrière, ça devenait très sale très facilement. Alors là, apparemment, vu qu'on a tout pété, il n'y a plus aucun entretien du tout. Activé. Ça me rappelle les salles de test des premiers. Je me demande si on n'est pas en train de refaire les mêmes salles de test, tu sais. Je sais plus, ça fait un moment que j'ai fait le premier, donc je sais plus exactement si c'est les mêmes, mêmes puzzles, mais c'était vraiment ce côté-là, quoi. Hop, gna. Youp. Hop. Magie. Et on arrive... On vient d'où, là? On vient de là? Je pense qu'on vient de là, j'imagine. Je vais me perdre très facilement. Ok. If the Earth is currently governed by a manner of animal king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to or is incapable of listening to reason. Hey, you made it! Oh, salut! Ça roule? There should be a portal device on that podium over there. Je me souviens pas de lui, par contre. See it though. C'est un nouveau personnage. Do you want to go and have a quick look? It's alright. Whoa, 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 whoa. Can you see the portal gun? Portal gun? Why are you alive? That's important. Should have asked that first. Do you know what I'm going to do? I'm going to work on the assumption that you're still alive, and I'm just going to wait for you up ahead. Qu'est-ce qu'il fait ici, le... I'll wait 1 hour, then I'll come back, and assuming I can locate your dead body, voilà, donc là on a les scientifiques qui sont en train de créer GLaDOS, j'imagine, qui sont très contents. Ensuite, bah, il y a quelques petits problèmes. Un peu de folie éventuellement. Hein. Et le personnage du premier. Oui, oui. Avec les gâteaux. Mais le gâteau est un mensonge. Je crée qu'il est là. Ok. C'est un petit, une sorte de récapitulatif. Hein. Qu'est-ce qui s'est plus ou moins passé? Bon. Hop. Et voilà. On peut faire qu'un seul portail là pour le moment. Pardon, je veux pas faire. Je veux pas faire de portail orange encore. Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robotics to share.
Oups. Ah. Non. J'arrive encore à me perdre déjà. Ah bah oui. Hop. Good. Do you feel that a lethal military android has not respected your rights as detailed in the laws of robotics? Please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. Faut une petite musique d'ascenseur pour les chargeurs. Petite musique d'ascenseur. This next test is very dangerous. En vrai, ils vont changer. In the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed. In 3, 2, 1. Mmh, bah voilà. Suffisait de demander. Oh non. Bon. Ok. Ouais, très bien. Je sais plus s'il y a des dégâts de chute ou pas. Non, absolument pas. Hé, je veux passer. Voilà. Très dangereux comme test, en effet. Test 4. Ah, ici on a... Hop. Hop. Ça nous en fait déjà... un. Il est où le deuxième? Il est là. Magnifique. Hop là. Great work. Because this message is pre-recorded, any observations related to your performance are speculation on our part. Please disregard any undeserved compliments. Ouh. Ça ramène où ça du coup? Oula, oula, oula. And reason. And reasonable. Yeah. Wow. Allez, on se fait encore une petite salle et ensuite on arrêtera cet épisode ici, je pense. Being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. D'accord, aucun problème. Ah, les murs comme ça, je peux pas. Je peux pas faire quelque chose, très bien. Alors, ça c'est le bouton pour la... pour les escaliers. Fondamentalement, j'ai pas besoin d'escalier, mais très bien. Ah, je peux faire un portail ici, ouais. Ensuite, ça c'est un bouton que l'on active, parce qu'activer des boutons c'est toujours bien, ça fait tomber une boîte, ouais. Une boîte, très bien. Ah, est-ce que je peux mettre un... Ah, je peux zoomer, dézoomer. Youhou. Voilà, hein, déjà ça c'est fait. Ensuite... Ah bah si, j'ai besoin d'escalier parce que je peux pas emprunter celui-là. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais j'ai juste à réitérer en fait. Là. Si je rappuie sur le bouton, j'aurai une autre boîte. Ah, d'accord, très bien. Ils sont malins, ils sont malins. Voilà, j'en ai plein des boutons.
Alors, ici, il y a le truc qui va tomber là. On va le faire du coup tomber comme ça, direct. Là. Ah bah oui. Voilà, j'ai failli tomber. D'accord, d'accord, je vois. Faut taper. J'ai failli tomber dans l'eau déjà. Hé hé. That's how we go. That's how we go. You're well, my new friend. The enrichment center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. Yeah. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic low power environments of as few as 1.1 volts. Bah oui, oui. Eh bien, ma foi, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve pour la suite de Portal 2 dès que possible. À toutes!